Bonjour et bienvenue dans Recette Roulette. La recette du jour est... aiguillettes de canard aux abricots. Pour deux personnes, il vous faut 300 g d'aiguillettes de canard, 5 abricots bien mûrs, une gousse d'ail, un cube de bouillon de volaille, une cuillère à soupe de miel, 20 g de beurre et une bonne cuillère à soupe de vinaigre balsamique. Première étape de cette recette, je vais commencer par préparer la sauce aux abricots. Donc pour cela, je vais hacher l'ail et couper mes abricots en morceaux. Je prélève une petite noix de beurre que je vais faire fondre dans une casserole. Je vais y mettre l'ail. Je vais le laisser suer pendant 2 minutes et ensuite je vais ajouter les abricots et je vais laisser compoter. Je vais ajouter le cube de bouillon et ce que je vais faire, c'est que je vais le râper simplement avec une râpe au-dessus. Moi, j'en ajoute pas la totalité, j'ajoute à peu près la moitié de mon cube. Cela fait 10 minutes que les abricots compotent, je vais pouvoir ajouter le miel. À ce stade, ma sauce est prête. Je vais la garder simplement au chaud pendant que je fais cuire mes aiguillettes. Alors, petite astuce, moi, ce que je vais faire, c'est que je la mixerai avant de la présenter avec mes aiguillettes pour qu'on ait une sauce bien lisse. Je fais fondre le reste du beurre et je vais faire saisir mes aiguillettes. Voilà, l'idée, c'est vraiment de les saisir de chaque côté. Quelques minutes suffisent. Lorsque les aiguillettes sont cuites, je déglace au vinaigre balsamique. Les aiguillettes de canard sauce abricot sont prêtes. Je sens qu'on va se régaler. D'ailleurs, si tu aimes autant le sucré salé que moi, je te conseille de faire le magret de canard au miel et au vinaigre de framboise. Sors ton agenda, je te donne rendez-vous samedi à 11h pour une nouvelle recette. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Marmiton, c'est juste ici.